À Londres, la famille royale britannique célébrait les soldats morts durant la Première Guerre mondiale le samedi 10 novembre. Durant ce concert, Kate Middleton et Meghan Markle se sont tenues à bonne distance. Les rumeurs de querelles entre Meghan Markle et Kate Middleton seraient-elles vraies? Les deux duchesses seraient en effet en froid, à en croire plusieurs sources proches du palais de Kensington. Et visiblement, elles ne comptent pas leur tordre le cou. Samedi 10 novembre, la famille royale britannique était réunie au Royal Albert Hall pour rendre hommage aux soldats morts lors de la Première Guerre mondiale. Et si les deux femmes avaient fait le même choix vestimentaire, des tenues chic et noires, elles se sont évitées. D'un côté, Kate Middleton et le prince William étaient assis en bonne place, juste à côté de la reine Elisabeth II et du prince Charles. De l'autre, Meghan Markle et le prince Harry se sont installés au fond du balcon, cachés notamment par Theresa May. De même, les deux couples ne sont pas arrivés au même moment à l'événement et ne se sont pas montrés ensemble lors de la soirée qui a suivi le concert. Kate Middleton serait en effet agacée par le comportement de Meghan Markle. Le même qui aurait précipité la démission de son assistante personnelle. Si elles ne sont manifestement pas sur la même longueur d'onde, Kate Middleton et Meghan Markle s'étaient accordées sur un point, leur tenue noire, pour marquer le deuil. Enceinte, la duchesse de Sussex portait une robe élégante et un manteau sombre signé Stella McCartney. De son côté, l'épouse du prince William avait opté pour une chic robe sur laquelle elle avait accroché un coquelicot.